quelles sont les limites. Et on passe au chapitre suivant. Alors, grand œuvre. Limites du fonctionnement. Polygon. En plus la vie. Et moins la vie. Premièrement, on va d'abord par la limite de la fonction. X à la puissance n, n appartient à l'étoile, en plus l'infini, et moins l'infini. Alors, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x à la puissance n. N appartient à l'étoile. D'abord, c'est quoi x à la puissance n? Alors, x à la puissance n égale à x fois x fois x fois des pointillés. Ça veut dire qu'on a n facteurs. Alors, si on calcule la limite de x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini, égale. Bon, d'après les tableaux précédents, plus l'infini fois plus l'infini est égal à plus l'infini, fois plus l'infini, elle est toujours égale, donc elle est toujours égale à plus l'infini. Donc on a la limite de x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Alors, si on veut calculer la limite de x à la puissance n quand x tend vers moins l'infini, bon, moins l'infini fois moins l'infini, donc plus l'infini. Pour moins l'infini, il est égal à moins l'infini. Alors, vous remarquez, chers élèves, parfois le résultat, c'est plus l'infini, parfois moins l'infini. Donc, ça dépend de la parité de n. Bon, on a deux cas. Il est égal à plus l'infini si n est pair. Il est égal à moins l'infini si n est impair. Alors, des exemples. Exemple. La limite x à la puissance 3 quand x tend vers plus l'infini. Bon, on a x tend vers plus l'infini. Donc, peu importe 3, la puissance 2, le cas où pair ou bien pair, ça ne faisait pas parce que x tend vers plus l'infini. Donc la réponse est plus l'infini. Deuxième exemple, la même fonction, x à la puissance 3 quand x tend vers moins l'infini. Bon, on a x tend vers moins l'infini. Et vous remarquez que 3 est un nombre impair. Donc le résultat c'est moins l'infini. Troisième exemple, la limite de moins 7x à la puissance 5 quand x tend vers moins l'infini. Bon, je vais cacher le moins 7. Bon, la limite de x à la puissance 5 quand x tend vers moins l'infini, vous remarquez que la puissance elle est impaire, donc le résultat c'est moins l'infini. Moins l'infini fois un nombre négatif qui est moins 7, d'où le résultat c'est plus 5. Alors, deuxièmement, maintenant, limite du fonction polynôme en plus l'infini et moins l'infini. Propriété. Alors, limite d'une fonction polynôme, limite d'une fonction polynôme en plus l'infini et moins l'infini et la limite du terme de son terme
plus haut degré. Du plus haut degré. On va faire des exemples. Exemple. Exemple. Premier exemple. Alors, la limite moins 8x à la puissance 3 plus x au carré moins 4x plus 7 quand x tend vers plus 1. Bon, c'est un polynôme du troisième degré. Alors, vous remarquez que le terme du plus haut degré, c'est moins 8x à la puissance 3. Alors, je vais écrire égale la limite de moins 8x à la puissance 3 quand x tend vers plus 1. Bon, je vais cacher le moins 8. On a la limite de x à la puissance 3 quand x tend vers plus 1 est égal à plus 1 fois un nombre négatif qui est moins 8. D'où le résultat, c'est moins 1. Deuxième exemple. Alors, la limite moins 5 x à la puissance 7 plus x plus 1 quand x tend vers moins 1. Bon, c'est un polynôme de degré 7, donc il est égal à la limite. Donc le terme du plus haut degré, c'est moins 5 x à la puissance 7. Donc c'est la limite de moins 5 x à la puissance 7 quand x tend vers moins 1. Bon, la limite de x à la puissance 7. Quand x tend vers moins l'infini, on a 7 est un nombre impair, donc la limite c'est moins l'infini, fois moins 5, qui est un nombre négatif, donc le résultat c'est plus 1. Maintenant, on passe au dernier paragraphe, dernier chapitre, chapitre 10, limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini et moins l'infini. Limite d'une fonction rationnelle d'abord on doit rappeler qu'est-ce qu'une fonction rationnelle. Bon, f est une fonction rationnelle. Ça veut dire je peux écrire f de x de la forme du rapport de deux fonctions polynômes. F2. P et Q sont deux fonctions polynômes. Alors propriété. La limite d'une fonction polynôme, la limite d'une fonction rationnelle, la limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini et moins l'infini et la limite du rapport des termes du plus haut degré. Bon, on va faire des exemples. Exemple. Le premier exemple, la limite. Quand x tend vers plus 1, bon, moins x, moins 8x à la puissance 7, moins 8x à la puissance 7, plus x au carré, plus 1, sur 2x à la puissance 4, plus 9x, plus 2. C'est une fonction rationnelle, sur le rapport de deux fonctions polynômes,
le terme, au numérateur, le terme du plus haut degré, c'est moins 8x à la puissance 7. Et le terme du plus haut degré, au dénominateur, c'est 2x à la puissance 4. Donc, égale la limite de moins 8x à la puissance 7 sur 2x à la puissance 4. Quand x tend vers plus infini. Égale. Alors, moins 8 divisé par 2, ça fait moins 4. Égale la limite. Quand x tend vers plus infini, moins 4. X à la puissance 7 sur x à la puissance 4. Bon, je vais simplifier. C'est x à la puissance 3. Bon, on a x tend vers plus infini. La limite de x à la puissance 3, elle est égale à plus infini, fois un nombre qui est négatif, moins 4, ça fait moins l'infini. Deuxième exemple. La limite, quand x tend vers moins l'infini, moins 5 x carré plus x plus 1 sur x carré moins 3. Elle est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini. Bon, le terme du plus haut degré, c'est moins 5 x carré. Et le terme du plus haut degré au dénominateur, c'est x carré. Donc, égale la limite de moins 5 x carré sur x carré. Quand x tend vers moins l'infini, je vais simplifier par x carré, je vais trouver moins 5. Et le dernier exemple, la limite. 2x plus 3 sur x à la puissance 4 moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Égal. Alors le terme du plus haut degré c'est 2x. Égal la limite 2x sur x à la puissance 4 quand x tend vers moins l'infini. Je vais simplifier par x, je vais trouver la limite de 2 sur x à la puissance 3, quand x tend vers moins l'infini. Bon, pour le dénominateur, on a la limite de x à la puissance 3, quand x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini parce que 3 est impair. Et d'après les tableaux précédents, on a si la limite du numérateur L et la limite du dénominateur l'infini, donc le rapport c'est 0. Donc on va trouver 0. J'espère, cher élève, que vous avez bien retenu cette leçon des limites. Merci de votre attention.